Daniel Morin, le mot de la fin. Oui, absolument. Alors, hier au Parlement, j'y vais direct. Hein. Hier au Parlement, c'était carnaval. Marine Le Pen était tendue comme un string de cardinal. Elle s'est levée, elle a invectivé devant tout le Parlement Angela Merkel et François Hollande. Pauvre François, ça a dû lui rappeler ses grandes heures avec Trier Veller. Il s'affiche avec une gonzesse. Bim ! Il se fait gauler comme un livreur de croissants. Ça m'a un peu rappelé chez nous, le 5-7, quand la semaine dernière, Cathy a surpris Eric avec une chroniqueuse en train de boire un café. Je peux vous dire que ça a chauffé. Hein. Elle était là. Ça va tous les deux, c'est la cool douce. Tu fais quoi avec Marie-Pierre Planchon, pervers? Tu t'intéresses à la météo? Tu me dégoûtes. Tu vas me le faire payer combien de temps, mon petit porno que j'ai réalisé avec Renaud Dely, hein? Ça tire. C'était terrible. Alors, pour en revenir hein, à Marine, François et Angela, c'était chaud. Les duels de blondes en plein Parlement européen, le duel charcutier. Marine, la grande saucisse de Strasbourg, contre Angela, la petite saucisse de Francfort. Je ne sais pas quel est son secret, Angela, mais tous les présidents, elle les rend dingues. Yves Vassy, il en perd sa couleur, François Hollande. Elle doit lui faire un accueil à mi-chemin entre Cléopâtre et Brigitte Lahaie. Elle doit être debout sur le bureau de Bundestag en Barésie, ça doit chauffer. Ah, meine kleine petit président du Frankreich, ensemble on va faire de grandes choses. Viens dans mes bras, petite chose syndicalisée. Je suis la vilaine des RH de l'Europe. Déchaîne-toi, arrache-moi meine liquette libérale. Sehr gut, meine kleine porcine. Je vais enfumer tes fantasmes avec ma libido Volkswagen. Ich bin ta petite Lily Marlène Neffermann. Du bist meine Playmobil érotique. Schnell, 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 ich bin chaud patate. Les Allemands, quel tempérament. Mais lui aussi, c'est un tempérament de feu. On l'appelle la grosse Bertha de l'info. Le Panzer de l'interview. Patrick Cohen. Et aujourd'hui, le grand Bretzel du 7-9, il va dessouder un des grands ennemis de Volkswagen. Le très très vert et pourtant déjà bien mûr, Nicolas Hulot.